Qu'en est-il de la consommation excessive des braises qui porte un coup dur sur l'environnement congolais? Qu'en est-il de la compréhension difficile des factures envoyées ou émises par des fournisseurs de l'énergie? Parce qu'ici, il s'agit des fois des factures forfaitaires. Qu'en est-il de la flambée des prix ou des tarifs des fournisseurs de l'énergie? Qu'en est-il de la consommation abusive de l'énergie électrique, faute de maîtrise des principes de l'économie de l'énergie? Qu'en est-il de l'exploitation d'autres sources d'énergie, telles que l'énergie solaire, éolienne, biomasse, gaz et tout ce que vous pouvez vous imaginer? Qu'en est-il également de la vulgarisation des lois régissant les secteurs de l'énergie? Donc nous voyons qu'aujourd'hui, le monde célébrant cette journée internationale des droits des consommateurs réfléchit sur les stratégies de mise en œuvre pour que les consommateurs partout à travers le monde puissent accéder à l'énergie. Et parlant de l'énergie, nous voyons qu'il y a plusieurs sources d'énergie et nous devons les exploiter ici au Congo pour aujourd'hui ou arriver un jour à parler d'un Congo émergent. Nos mamans, pour préparer, il faut des braises. Je ne sais pas quoi, j'ai vu même des gens au Congo se promener avec des chargeurs parce qu'il n'y a pas de couloir. Je vois qu'à Bukavu et dans d'autres provinces, on commence à installer des compteurs qu'on appelle cash power. Et cela diminue les tensions entre les fournisseurs du courant et les consommateurs. Je vois les gaz ici qui pourraient être une bonne source d'énergie, mais voilà qui n'est pas exploité. Pour nous, à travers cette journée, c'est une occasion de réfléchir, mais une occasion aussi d'amener les consommateurs à redoubler de vigilance pour demander au gouvernement congolais de pouvoir faire un effort pour grossir, pourquoi pas, la ligne budgétaire relative à l'énergie. Parce que le Congo ne pourra être émergent ou développé que si nous avons de l'énergie. Regarde tous les minéraux que nous avons. Il n'y a pas moyen de les exporter en état déjà, en état transformé. Il n'y a pas moyen parce qu'il n'y a pas de courant. Tous les hôpitaux au Congo sont opérationnels grâce au courant. Tous les secteurs possibles ne peuvent fonctionner que si nous avons du courant. Maintenant que nous n'en avons pas, voilà que nous commençons maintenant à porter atteinte à l'environnement. Et c'est pourquoi cette journée aujourd'hui voudrait nous mettre ensemble, nous les consommateurs, pour réfléchir en famille, à l'école, au travail, partout, pour que nous puissions trouver des solutions idoines par rapport à cette problématique des fournitures en énergie que nous n'avons pas ici en Congo. Si le chef de l'État a mobilisé plus de milliards de dollars américains pour accompagner les processus électoraux, pourquoi le chef de l'État ne peut pas aussi mobiliser 1 milliard pour accompagner les secteurs de l'énergie? Parce que ce serait du bon et ce serait même le décollage, pourquoi pas, de l'économie, du pays et même tous les autres secteurs seraient portés parce que nous avons de l'énergie en permanence. Maintenant, par rapport à l'état délié des consommateurs au Congo, les consommateurs ont des droits, mais des droits qui sont violés à longueur de journée en RDC. Vous entrez à bord d'un taxi. Le taximen qui, à mi-chemin, vous dit non, descendez, moi je ne vais plus progresser. Ça, c'est violer les droits du consommateur. Vous quittez ici, vous allez à Goma pour prendre un avion. Vous arrivez là, vous savez que c'est le même jour que vous prenez l'avion. Mais après, on vous dit non, le voyage est décalé ou alors reporté pour le lendemain. Qui va vous donner les frais de logement? Qui va vous donner les frais de restauration? Ça, c'est de la violation manifeste des droits des consommateurs. Et dans tous les domaines possibles de la vie, donc, il y a des violations et des violations. Et c'est pourquoi nous sommes en train de beaucoup insister, parce que nous n'avons pas une loi qui régit les secteurs des consommateurs. Nous voulons que le Parlement, qui va fonctionner maintenant, les députés nationaux et les sénateurs qui vont être élus, puissent se pencher sur la loi portant protection des consommateurs en RDC. Et nous osons croire que cela va beaucoup nous aider pour pouvoir faire du bon et aussi améliorer la gouvernance dans tous les secteurs et aller dans le sens de protéger les consommateurs pour qui nous tous nous sommes censés travailler, nous dirigeants, à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, provincial ou au niveau local. Voilà au fait ce que je pourrais dire. C'est ma santé, moi qui en ai la vision du quatrième jour du Congo, on a quoi chez d'ailleurs, chez la Nini Misana, à tout la moto au même, à tout la joie comme bien la moto, à tout à quoi la Inche et le Pena Mele, à tout à quoi bien la Maindele, au quatrième secteur balimbal. Na leo kama wanazungumzia kuhusu hii swali ya kukua na umeme saa zote, ni kusema watu wamesoma
popote ma nchi za dunia wanajua kama bila kama donc kama hakuna moto hatuwezi sema kama tutazungumzia maendeleo. Unajua kama kila kitu kyote kinatembea au kinatumikishiwa kupitia moto, na moto iko ya namna mingi, na ndio maana tungependelea ili tusiharibu mazingira ya kwetu, watumiaji wakae katika majamaa, masomo, makazi, waangalie wafanye nini, watie mbinu, wakwe na mbinu gani zenye watapitia ili Kongo yenye Mungu amebariki tayari inakuwa na ile masusi mingi sana ya umeme, waangalie kisi wataweza kuitumia ili mkongomani popote kuliko akuwe na moto, ufanye biashara akuwe na moto, afanye maindustri, afanye maizini, na maopito, mahospitali, na huku na huku mambo yote itembee vizuri. Na nikizani hili itatubeba kwa maendeleo na nchi yetu itaitosha katika haya, na hata pia tutakuwa na umeme pia tutauzisha kwa pa katika Afrika, tutauzisha pia hata na kwenda timbaka kule Europa. Nikizani inabidi tunashikazi. Sasa kisi baba raisi alisindikiza uchaguzi na kulikuwa emiliari walitayarisha. Ni vizuri pia kukua emiliari watatayarisha katika hii sekta. Hii mambo yaboreshwe vizuri na mkongomani aishi vizuri kupitia ile umeme ya kila siku yenye iko nayo. Isikuwe yeye anatafuta fanya izine fulani, anatatia mule hapa hakuna moto. Anatafuta sivyo vitu gani hakuna moto. Anatafuta hakuna moto. Unaona kama hili natukosea sana, na njoo natuma sisi leo hata tunazungumzia maendeleo hatuione, kwani hakuna moto. Ile njoo changamoto itumefanya, na pia tungependelea tuelezee wakubwa wa nchi kama haki za watumiaji inakuwa ikikuwa katika shida kubwa sana. Ni haki zenye ziheshimike. Utaingia mtaksi, taksi mimi na kufikisha fasi fulani, anafika njiani anakutua, labda inabidi unaenda Kinshasa, unaingia Goma pale ukamate avio, unafika kule wanasema avio haiko tena, itakuwa njoo kesho, itakuwa après deux jours. Ile yote ni shida. Masekta wote inaonekana kweli kama hawaheshimii haki ya mtumiaji. Ndio maana tungependa nchi ya kwetu kupitia wachaguliwa wetu katika bunge kule Kinshasa, sena, katika pia mabunge na maprovensi na majimbo mbalimbali, waikae fasi moja na waangalie watatengeneza namna gani sheria kuhusu mtumiaji, ili tukinge maisha yake na tukinge kila kitu kyote kinamzunguka, ili siku moja mtumiaji naye aseme nimeishi katika nchi nzuri, katika nchi ile Mungu ametia. Donc tunakuwa na mali nyingi sana, lakini inaonekana haitufalii. Mada inazungumzia kuhusu moto, tukue na moto namna gani kila leo. Unaona mama akijia nyumbani huko na haja ya moto juu ya kupika. Sasa kisi hakuna moto, anakamata makaa, na kila siku kutumia makaa inaharibisha mazingira. Donc inabidi tunajifunza sisi wote mbinu ya kupitia ili tuboreshe ile sekta.